Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Europa, il programma di Storylab dedicato al marchio del patrimonio europeo. Oggi andremo in Spagna, Portogallo, Belgio ed Estonia per conoscere quattro siti che hanno contribuito alla conservazione e alla diffusione del sapere in Europa. Iniziamo con l'archivio della Corona d'Aragona. Fondato nel 1318, è stato il deposito della memoria amministrativa, economica e politica della monarchia aragonese. Nei secoli successivi l'archivio si è arricchito di numerosi documenti che consentono di ricostruire la storia della regione e di importanti eventi europei. Mi nombre es Carlos López Rodríguez, soy director del Archivo de la Corona de Aragón, soy doctor en Historia Medieval y he dirigido esta institución desde hace 17 años. La Corona de Aragón fue fruto de la unión entre dos reinos de la península ibérica, Aragón y Cataluña. En los principios los archivos estaban dispersos por todos los territorios y lo que pensó Jaime II fue concentrarlos en el lugar donde él residía, que era en el Palacio Real Mayor de Barcelona, que es el que tenemos aquí a nuestras espaldas. Lo importante de este archivo, que es extraordinario, de una grandísima riqueza, es la documentación procedente de los organismos centrales de la Corona de Aragón. Lo que sí ocurre es que afecta a muchos territorios que hoy están distribuidos entre diferentes estados de la Unión Europea. El que hemos llamado siempre la joya de la corona, podría ser la joya de la corona de Aragón, es lo que en la serie se llama Registros de la Cancillería. Registros de la Cancillería son unos libros donde los reyes mandaron que se copiaran todos y cada uno de los documentos que expedían ellos mismos o sus funcionarios de una manera sistemática. En el año 94 se construyó otra sede para nuestros archivos, un edificio moderno que tiene una sala de lecturas, una biblioteca, talleres de restauración y de reprografía. Es un edificio ya que se realizó con todas las condiciones que requiere la buena preservación de los documentos, es decir, ya con el sistema de acondicionamiento, de control de temperatura y humedad, también el tipo de almacenamiento físico, el tipo de estantería, las medidas contra antiincendios, de seguridad. Bueno, el archivo está abierto al público, a la consulta, es libre. Nosotros iniciamos un programa muy ambicioso de digitalización de toda esta documentación que puede consultarse vía internet, bien a través del portal de archivos españoles o bien a través del portal de archivos europeos. Creemos que dándolo a conocer, pues la gente se dará cuenta de lo importante que es porque es suyo. Es su historia, son sus documentos y es la riqueza que tienen en Europa. Para nosotros, yo creo que es un galardón importante, una distinción importante. Quisiera pensar también que ha sido un reconocimiento al papel de los archivos en la cultura europea contemporánea. Rimaniamo nella penisola iberica e ci spostiamo in Portogallo per visitare la Biblioteca Generale dell'Università di Coimbra, un complesso di edifici che vanta una delle più belle strutture bibliotecarie d'Europa, la Joanina. A questo vasto patrimonio appartengono molti documenti di rilevanza europea. Andiamo a conoscerli. Notre bibliothèque est composée par deux bâtiments. Un bâtiment ancien qui a été construit au début du XVIIIe siècle, l'une des bibliothèques les plus belles du monde, la bibliothèque Joanina,
qui garde encore des livres imprimés avant le début du XVIIIe siècle. Et l'autre bâtiment qui a été inauguré en 1962, qui est notre principal édifice où nous accueillons les chercheurs, les étudiants. Nous avons ici des collections qui viennent du XIIe siècle jusqu'à de nos jours. Et ça nous permet de faire la différence avec d'autres bibliothèques, la question de la continuité. Les gens nous demandent beaucoup de montrer le plus ancien livre qu'on a. Il s'agit d'une Bible enluminée, produite à Strasbourg au XIIe siècle et qui est assez rare. Notre plus important trésor est une Bible hébraïque du XVe siècle, mais c'est vraiment un trésor parce qu'elles ont été la plupart détruites par l'Inquisition. Un autre trésor est une carte produite par un cartographe portugais autour de 1566. C'est donc une carte pour naviguer. Pour une université, posséder une bibliothèque générale est une préciosité. Il est possible de trouver des livres concernant toutes les matières et il est possible d'établir des liens. C'est la place de rencontre des chercheurs et des étudiants. Cette bibliothèque a une identité qui n'est pas seulement universitaire, qui n'est pas seulement nationale, qui est aussi européenne. Cette identité s'explique par nos collections, la nature internationale de nos collections, mais aussi par le fait de notre université avoir été toujours une université avec des contacts internationaux très, très, très intéressants, très importants. L'attribution de la marque du patrimoine européen est pour nous une reconnaissance de cette identité internationale. Decisamente più a nord incontriamo il sito belga Mundaneum. Nato all'inizio del Novecento, aveva l'obiettivo di raccogliere e classificare tutte le informazioni disponibili nel mondo. Oggi è considerato un precursore di internet e dei moderni motori di ricerca. Nous sommes au Mundaneum, qui est à Mons, en Belgique. Il est un véritable centre d'archives. L'idée de développer une solution de répertoire centralisé qu'a défendu le Mundaneum à travers Paul Hautelet et Henri Lafontaine, ce n'est pas tout à fait extraterrestre. Il y a vraiment une demande qui existe à cette époque, en la fin du XIXe siècle. Il y a une demande d'organisation des publications de telle manière à ce qu'on les trouve facilement et qu'on ne perde pas de temps dans la recherche d'informations. L'un des points forts de cette méthodologie, c'est d'être un moteur de recherche. On pouvait faire une recherche par auteur, par titre et par sujet. Et ça, c'était vraiment la première fois que c'était possible de le faire. Donc c'est vrai que quand on dit Google de papier, tout de suite on comprend qu'on a une idée en tête, on a un sujet en tête. On regarde si ce sujet-là est présent et ce qu'il a comme fiche bibliographique dans le répertoire. Le label du patrimoine européen est attribué au Mundaneum qui dispose de trois implantations distinctes avec notamment les activités pédagogiques, les activités événementielles et puis tout le travail à la fois conservatoire et administratif qui existe. L'espace muséal se structure autour de différents éléments. Parmi ces éléments, on va retrouver bien sûr les fiches bibliographiques, donc le répertoire. Donc on est vraiment happé par cette atmosphère et ce mobilier en chaîne qui a été élaboré durant à peu près 40 années. Alors il y a aussi cet outil que nous avons conçu qui s'appelle le Mundaneum Petite Histoire d'une Grande Idée. C'est une borne interactive sur laquelle on peut découvrir, je dirais, l'histoire de l'institution, le contexte brossé en 3 minutes.
on peut comprendre ce que c'est qu'une fiche bibliographique et de voir à quoi ça correspond. Cette idée de mettre en place une fiche structurée autour de la classification décimale universelle, et puis après, on peut découvrir le réseau des différents contributeurs. Ce qu'il y a de nouveau dans le travail mis en place par Paul Hotelet et Henri Lafontaine, c'est d'imaginer qu'on va pouvoir retrouver les références de livres où que l'on soit. Donc là, c'est un travail qui a de nombreuses difficultés. C'est la barrière de la langue, le fait qu'on puisse retrouver un thème particulier et le fait de pouvoir collecter ces références. Donc ça demande vraiment une coopération internationale très importante. Peu importe le support, pour autant qu'on puisse travailler ensemble par rapport à, je dirais, différentes thématiques, et ce sera toujours quelque chose qui permettra de mieux comprendre l'autre, puisqu'à la base, c'était travailler sur la culture pour favoriser la paix. J'invite les différentes personnes qui ne connaissent pas le Mundaneum à venir sur place pour comprendre quelle a été l'utopie de certains hommes de construire un monde nouveau autour d'idées difficiles à leur époque. C'était de créer une autre société et de voir comment finalement ils ont essayé de le faire. Et je pense que porter la voix de ceux qui ont voulu défendre un projet de société original, ben ça me semble important. Et essayer de retrouver des composantes européennes des uns et des autres, ça peut être ça aussi la richesse de la découverte du Mundaneum, de comprendre en regardant notre passé. Il nostro viaggio di oggi si conclude in Estonia, con il complesso storico dell'Università di Tartu, un luogo del sapere fondato nel 1632 dal re di Svezia Gustavo Adolfo II. Simbolo dell'ideale illuminista di università europea, è da sempre considerato una fucina di idee innovative. Tartu is the second biggest city in Estonia and has quite a long history for 1,000 years. Tartu has approximately 100,000 inhabitants and let's say 20,000 students. Our historical part of the campus was mainly built in the very beginning of 19th century, and that makes a unique historical campus located in a park, which is in its own turn is located in the center of a city. University of Tartu has three birthdays actually. First, it was founded by Swedish King Gustav Adolfus II in 1632. Then in the beginning of 19th century, when it was refounded by Russian Tsar Alexander I. And then finally in 1918, it arised as a national Estonian University. Main building is actually one of symbols of Tartu. The six pillars is something that every Estonian recognizes Tartu. Most important room in the main building is the aula, the celebration hall, where we have the highest guests, have guest lecturers. The rectors are inaugurated in aula. The graduation ceremonies are traditionally held in aula. Since the beginning, part of the main building was given to the university art and historical collections, which is the oldest museum in Estonia. The old observatory is once again a good example when we can put a museum of old scientific equipment together with modern education, and a lot of children are visiting every year the observatory, having an idea about the space, about the solar system. So the basic facts about our life are acquired there. Old anatomical theater is the oldest part of this complex. The ruins of that church were for a long time as ruins after the Reformation. And then about half of the best preserved part of the ruins were restored for the purpose of a universal library. Of course, we value very much the history, but
At every moment, we have to remember that the history, whatever good it was, doesn't guarantee success today and tomorrow. I siti che abbiamo visitato oggi hanno ricevuto il marchio del patrimonio europeo per il costante impegno nella conservazione e nella diffusione della conoscenza. Per saperne di più, visitate il sito di Europa Creativa. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Europa.